on est parti dans la quatrième game de placement. On va essayer de jouer Drogo Willow Main. Non. Non. Alors, on est toujours quatrième. Là, on est certain que quand vous avez les matchs de placement qui reviennent, c'est plutôt conseillé de les faire rapidement parce qu'on voit que les matchs de placement, quand tu les fais un mois après, bah t'as pas de bol parce que t'es dans les deux derniers. Et en étant dans les deux derniers, bah si t'es un main Eevee ou un main, je sais pas, Lian, ce que tu veux, c'est difficile de le pick puisqu'il va tout le temps être pris par l'adversaire. Alors. On va essayer de voir ce que prennent nos coéquipiers. Une Ying, moi je suis d'accord. Hein, Ying, c'est largement envisageable, surtout à cet élo-là. Monsieur Fart 123, c'est vrai qu'un mal d'en bas, c'est peut-être plus utile qu'une Ying, mais c'est pas non plus le jour et la nuit entre les deux persos. On aura une mythe dans notre compo, donc nous, c'est plutôt un dégât qu'il va falloir faire. Ouais. Stop cry. Focus on your game. Sérieusement quoi, les gens. Oui. Moi je vais prendre un Shaolin. Shaolin, je pense c'est un bon pick. Et un Fernando. Ça va, c'est pas mal comme compo. On aura pas mal de responsabilités. Bon, j'ai essayé de défendre la Ying, mais ça se trouve, ça sera le pire healer qu'on a jamais vu. Et le mec va dire, ah, t'as vu, c'est une grosse merde. J'avais raison. Enfin, une fois que le pic, il est... Le mec a dit qu'il jouait Ying, donc de toute façon, soyez pas... En fait, c'est pas bon de faire ce que fait le Makoa, c'est-à-dire d'introduire, ah, moi, je veux ce pic-là. Prenez, vous avez plusieurs types de personnes en ranked. Prenez Willow, Drogo, CPT. Ah, ils n'ont pas pris Drogo. Ah, mais vous êtes vraiment nul en fait. Ou alors, ça va être le. Ah, t'as pris. Bon, c'est vrai que quand tu prends Grok, Pip ou Grover, c'est normal. Mais quand tu prends l'un des 4 main heal, Ying, Geno, Ceris, Maldamba, tu peux pas pleurer. C'est l'un des 4 heal. Ying, elle est un tout petit peu en dessous Maldamba, Geno, Ceris, mais vraiment de rien du tout. Qui fait qu'à ce niveau-là, si elle est vraiment très très forte avec sa Ying, elle peut hard carry. Donc ça sert à rien. Même de toute façon, s'il y a un Grok, un Grover. Même si moi je vous le dis en commentaire, ouais j'aurais préféré les 4 main heal, bah c'est pas grave, le mec il a pris son pic, c'est fait quoi. C'est comme ça quoi, et vous êtes jamais à l'abri de surprise. Une Sky qui hard carry complètement à mon niveau, c'est largement faisable. Donc, et ça a toujours été largement faisable, même à un niveau où elle était encore plus faible, parce qu'elle a quand même été up un petit peu dernièrement. Mais donc voilà, les comportements que vous devez avoir en enquête, c'est soyez plutôt positif que négatif, parce que si vous dites à quelqu'un t'as pris un pic de merde, bah si c'est quelqu'un qui est influençable, qui est jeune ou je sais pas, qui aime pas qu'on le fasse chier, il part déjà avec quand même une sacrée pression sur les épaules. Voilà, donc c'est des choses qui vont réduire votre win rate de 1, 2, 3%. Mais Flame, j'ai embêté vos adversaires, leur forcé à prendre des trucs qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer, etc. Ça vous pénalise et ça peut vous faire perdre plus de games que si vous aviez juste rien dit, quoi. Alors. Ah, c'est bizarre de prendre Waker, mais c'est pas très grave. S'il y a un Waker sur elle, moi je vais prendre un cautérisé. Waker c'est pas mal, bon après moi je peux le prendre aussi, mais globalement c'est pas trop mal Ying, parce que Ying elle peut taper, elle peut pas aller chercher le Bomb King qui est derrière ou le Streak, ça c'est certain. Merde, je vais crever.
Là, les gens, ils sont allés en bas. Et le problème, c'est que le Bomb King, je lui ai mis deux flèches, mais il n'y avait personne pour le finir. J'aurais dû arrêter mon tir à l'arrêt. Le problème, c'est que la verticalité, elle n'est pas du tout gérée par notre équipe. Il a réussi à tuer le BK, mais Strix est en train de faire très très mal à Nothing dans le dos. Là, le problème, c'est que la Mive est pas venue m'aider, quoi. Elle reste sur la hauteur, elle a pas vu que j'ai mis le Strix très très low. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, ça va être vraiment difficile, cette game. J'ai du mal à faire ce que je voudrais faire. Ah, j'arrive pas à toucher jamais, quoi. Il fallait juste que j'essaye de créer une prolongation. Bah c'est Mive, elle devrait être dessus quoi. En Mive. Mille should be on Strix. C'est Mive qui doit être on Strix. C'est moi et Mive en fait, on doit tuer Strix. Avec des terrains. Ah, chier. Mive, elle doit aller sur Strix, quoi. Elle le laisse trop libre. C'est un perso qui a des facilités à aller quand même en hauteur, Mive, contrairement à Sholin. Mive, go on Strix, please, all the time. Là il est low, faut prier pour que quelqu'un le tue à la place. Il faut se reconcentrer. Go, bah just go. Et ils sont allés, dites-nous, nos amis. Hop, bon ça paraît un peu arrogant, I do the rest, mais bon je savais pas comment le dire autrement. Mais c'est ça que c'est mon rôle de toute façon, I do the rest, c'est moi je dois m'occuper de BK et de Lex, mais je peux pas trop m'occuper de Strix. No, you please. Elle est partie sur Illuminate, donc c'est elle qui va le tuer. Merde, j'aurais pas dû partir comme ça. Le Lex a réussi à faire vraiment beaucoup de tours.
je me suis fait avoir. Oh, le Fernando a laissé le Lex passer comme ça. Oh, c'est dommage. Quoi. C'est bon, on tue le Lex. J'aurais pas dû passer par là, mais c'est pas grave. C'est pas non plus trop grave. Oh, ça, c'est un outil pourri. Allez go. Désolé, je suis vachement focus sur la partie, je dis rien. Banking doit être là. Il est vachement dans une zone où je peux tirer. Non. Ah, je suis nul. Les groupes. Bon, l'avantage c'est que Fernando il avance. On l'a laissé complètement gratuit. Bien joué Miv. Good job Miv. Elle est morte mais c'est pas grave, elle a fait un kill. C'est bien de faire au moins du 1 pour 1. Pas trop mal. Je vais me faire stun, c'est un peu con ce que j'ai fait. Regroupe. We have time. On va se regrouper. Faut y aller vite. Faut y aller là. Pourquoi les tanks ils y vont pas? J'ai pas compris pourquoi les tanks n'y allaient pas. J'arrive pas à user. Près du point. Oh, je l'ai touché. Et ça passe. Et c'est ça qu'on voulait. Good job all. Keep going that. Bien joué les gars. Allez. Keep focusing. Allez, on reste focus. On fait pas une très bonne game. Hein. On a vraiment mal commencé, mais il y a des moments qui sont pas trop mal. Allez, go. On y croit. Il faut acheter un truc. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin... Alors, dégâts de zone. Je sais pas trop quoi prendre. On va prendre un outil. Donc on se rappelle ce qu'a fait le Lex lors du dernier truc. Il a croisé le Fernando en passant par là. C'est bon, ça passe. On reste planqué. Allez. Tue-le. Ying, elle a quitté le point.
Salut. Salut. C'est bon. Good job, all. C'est bon. GG, les gars. Bon, là, on a porté nos balls. On a porté nos balls. On a Kari. C'est bien. On n'avait pas une Eevee super skillée, super forte contre nous. Ça a été. C'était bien. Et bon. Niveau du focus, c'était bien. On s'est pas attardé sur le Torvald. On a bien choisi les bonnes targets. Et ça passe. GG wellplay. Mais boum. Et bon, on a aucun truc. On n'a pas fait le meilleur flank, ni meilleur dégâts. Mais on a fait du 18-8-9. Mauvais, très très mauvaise première manche, mais on a su se ressaisir. Donc c'est cool. Et c'est là que tu vois quand même à quel point Strix peut être relou. Parce que s'il y a personne sur lui, j'arrive pas à jouer parce que je me dis putain, il faut que je le focus, etc. Et dès qu'on a réussi à persuader Monsieur Fart 23 d'aller en permanence sur le Strix, ça s'est beaucoup mieux passé pour nous. C'est un truc hallucinant comme juste un changement de style de jeu, de team play peut vraiment faire la différence. Et c'est vrai que bah, c'est ce genre de choses où je suis pas trop mauvais, j'ai pas une bonne IM, j'ai pas un très bon niveau de jeu sur tous les personnages parce que finalement j'ai pas joué autant au jeu que ça. Enfin, je commence à y avoir joué, c'est sûr, mais j'ai pas joué non plus des milliards d'heures. Et donc la prise de décision et le leading, c'est ce que j'aime le plus. Et c'est vrai que là, on a pris une bonne décision de mettre la mif tout le temps sur le Strix. Bon, ce qui paraît logique, mais il faut en parler, quoi. Il faut pas laisser. Si on n'avait rien changé à notre style de jeu, il faut parler, il faut pas s'insulter, il faut pas s'engueuler. Il faut parler, il faut essayer de voir quel est le souci. Alors parfois, ça m'est déjà arrivé de demander quel est le souci, et les gens ont dit le souci et on n'a jamais réussi à le résoudre. Même en changeant de style de jeu, finalement, ça s'est pas corrigé. Mais dans ces cas-là, ça veut pas dire que dans tous les cas. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode de Ranked. C'est la quatrième. Nous sommes actuellement à 2 victoires pour 2 défaites. Donc a priori, si ça continue comme ça, on va finir gold. Mais on espère quand même un petit peu remonter la pente et essayer d'aller chercher le plat. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Paladin. Merci encore de l'avoir regardé et à plus tard. Ciao.